se referme avec toutes nos difficultés. Nous avons su tenir ferme, l'amour finit par triompher. Son ombre est couchée, on ne sait où aller, où nous reposer. Nous sommes aujourd'hui appelés orphelins. L'arbre qui nous donnait son ombre est couché, on ne sait où aller, où nous reposer. Nous sommes aujourd'hui appelés orphelins. Papa, que ton âme ne souffre pas de la haut veille sur nous. Éclaire notre chemin. Papa, oh, hey, de là-haut veille sur nous, qu'on ne monte rien. Ton adorable Jenna, ton courage Momo, te disent que ton âme repose en paix, papa. Triste réalité, difficile à supporter, quand la vie impose ses règles. Triste réalité, difficile à supporter, la vie impose ses règles. L'arbre qui nous donnait son ombre est couché. On ne sait où aller, où nous reposer. Amour. L'arbre qui nous donnait son ombre est couché. On ne sait où aller, où nous reposer. Amour. Nous cesserons de te dire merci pour tout ce que t'as fait pour la famille, papa. Tu restes à jamais dans nos cœurs. L'amour et le respect d'autrui, toutes ces valeurs tu nous les as apprises, papa. Tu restes à jamais dans nos cœurs. Mais tiens, tout s'est bien passé. Je veux mon papa. Je veux voir papa. Ça va, ça va, ça va. C'est pas de ta faute si ton vol a pris du retard. L'essentiel, c'est que tu sois là. Sois forte. Calme-toi.
Quentin. Balou. Balou, qu'on y a la mana. En Quentin, là donc. Là donc, qu'on y a la mana. Ou coucou, va faire. Nous, pas faire. Où va la fourra? Nous avons semé cette fleur dans une terre fertile. Nous l'avons arrosée pendant des années. Aujourd'hui, cette fleur est la plus belle de toute la cité. Si vous la voulez vraiment, il faut mettre le prix. Nous ne doutons pas de la valeur de votre fleur. C'est pour cela que nous la voulons dans notre maison. Votre prix sera le nôtre. Iba fouyina ko ampina anino fe obejija doni kanani misikele saraji kwe mankele kananoi olande tanifla skei sanu barakele mi barashegi Kabanko la aniwabi saba. Nous vous demandons juste de faire un petit effort. Un bœuf, un bélier blanc, un coffret de bijoux en or, 12 complets de pain hollandais, 3 bouteilles de gin, 5 bouteilles de vin. Le tout accompagné de la modique somme de 650 000 francs CFA. Tiens, arrête. Ça te fera du bien. C'est de l'eau minérale. Je sais que t'es pas encore habitué à notre eau de robinet. Petit, au village là, quand on apporte de l'eau à quelqu'un, on goûte à cette eau là devant la personne. Oncle Bernard. Je ne doute pas de mon frère. C'est juste que je n'ai pas envie. Vas-y, bois, ça te fera du bien. Merci. Tu veux des cachets pour le maux de tête? Non, ça ira. Moi, je suis partant pour un bon ballon de vin, rouge. Malheureusement, on ne boit pas ici, donc on n'a pas de ballon de vin. Mais on a des verres à eau. Et faire avec? Nous nous sommes bien préparés. Nous nous soumettons à votre demande. Le bœuf et le bélier sont actuellement attachés dans votre arrière-cour. Et voici les demandes. Allah sabo. Où ça? Aske, ça va te dire à l'aïe. Si votre jeune taureau est capable de reconnaître la fleur qu'il convoite, qu'il vienne la montrer. Mais attention, s'il se trompe, le mariage n'aura plus lieu. Eh oui, et les dons ici présents ne seront plus remboursables. Alors, à vous de jouer. Marie. Hey, tu sais que tu es difficile à joindre. Je t'ai laissé plein de messages sur ton téléphone, sur WhatsApp, sur ta page Facebook. Je t'ai même manqué à plusieurs reprises chez toi. Hey. C'est à toi que je parle. Tu sais que ça fait 6 mois que j'attends cette opportunité. J'ai même refusé de m'inscrire à l'université pour ça. Si je comprends bien ton silence,
tu ne peux plus tenir ta promesse de me faire passer l'audition à Mélodie. Ce sera compliqué, Marie. Compliqué? Tu sais, mon boss, le propriétaire de l'école, il est décédé. J'étais même à ses funérailles aujourd'hui. Non. Non, c'est pas possible. C'est où la toilette? Vite. Je ne vous laisserai pas partir avec ma fille comme ça. Avant de partir avec elle, il faut me dédommager. Et je ne suis pas la seule, hein. Il y a ses sœurs, ses cousines et puis ses tantes. Vous avez raison, belle maman. Nous nous excusons de notre indélicatesse. Dites-nous ce que nous devons faire pour réparer ce tort. Bien. Nous voulons 5 casiers de bière pour étancher notre soif. 10 paquets de savon pour rembourser tout ce que nous avons utilisé pour laver notre belle-fille. Sans oublier la somme de 330 000 francs CFA pour notre transport pour le retour au village. Ce n'est pas un problème. Tenez, brave femme. Tu peux maintenant embrasser ta femme. Merci, maman. Merci, maman. Comment va ta sœur? Elle dort. Elle a besoin de repos. D'ailleurs, nous aussi. Ouais. Surtout que demain, c'est un grand jour. Un grand jour pour elle? Pour toi? Pour moi? Enfin, pour toute la famille, quoi. Tu parles du testament de papa? J'espère que mon grand frère a passé à moi. Parce que moi, j'ai besoin de me refaire une santé financière pour vivre décemment. Tonton, arrête ça. On vient à peine de mettre papa en terre et toi, tu penses déjà à ta part d'héritage? Et puis, de quel héritage tu parles? L'école de papa a des soucis? Ouais, mon petit. Mélodie, c'est une grande richesse. Je compte m'en occuper personnellement. Avec ton aide. Et celui de ta sœur, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu cherches? Te dire. Écoute, l'école de papa ne marche pas comme tu le crois. Ici, la culture ne paye pas. Et je trouve inadéquat que tu parles de l'héritage en ce moment même où le corps de papa est à peine tiède. L'école ne marche pas, je le sais. C'est d'ailleurs pour ça que je veux qu'on la vende à prix d'or. Mais comment est-ce que tu veux qu'on vende quelque chose qui ne marche pas à prix d'or, tonton? Comment? T'inquiète pas. Patience. Tu le sauras bientôt. Demain est un grand jour. Ah, mon petit. Tu peux garder la bouteille? Fais comme tu veux. Je fais un tour à la clinique. Oui, Fadoul. La fête en bonne voie. Oui. Hé, hey, vous là, vous ne bossez pas. Vous jouez avec vos portables. Daisy! Daisy! Oui, monsieur Bidoze, vous m'avez appelé. Si tu n'avais pas appelé là, tu allais venir ici. Non, monsieur.
Alors, mais pourquoi tu me le demandes? Va débarrasser les bouteilles vides sur les tables. Sinon, je te donne 10 kilos de ma graisse. Tu as compris? Tu ne sais pas que s'il y a les bouteilles vides, les gens ne vont pas consommer. Ah, Dieu me fait perdre de l'argent. J'ai coupé sur ton salaire. Alors, mon petit, comment ça va? Ça va, VP, ça va, merci. J'ai vu une charmante demoiselle ici, là. C'est qui, ça? C'est une amie. Elle s'appelle Marie. Sanguelino! Tu sais, ici, c'est chez toi. Tu viens quand tu veux. Seulement si tu as un jeton dans ta bouche, quoi. Tu viens quand tu veux. Alors, comment ça se passe la fête sans moi, monsieur le nouveau marié? Ah mais oui, mon frère, dommage que tu ne sois pas là. Un mariage traditionnel de ouf, je te dis. En plus, j'ai même pas encore eu la chance de connaître ta femme. Ah là, t'as raté quelque chose d'unique, hein, frangin. Ça c'est clair. Je t'avoue que s'il n'y avait pas eu la maladie de ma mère, je serais avec toi. D'ailleurs, je suis dans le temps du mariage, là. Ah si, si, je vois. Et ta mère, au fait, elle va mieux? C'est bon. Il y a eu plus de peur que de mal. Mais elle se repose. Ça va. Ethan, on t'attend. Ok, j'arrive. Ah ouais, c'est super. Si elle va mieux, c'est l'essentiel. Ouais. Et toi, en fait, t'es où? Je suis sur le point de quitter Gagnoa. Ah. Mais dis-moi. Tu penses que ça va finir dans combien de temps à peu près? Oula, nous on est quasiment à la fin de la cérémonie. Hein. Mais t'en fais pas, dès que tu arrives, on se fait notre petit chemin entre nous. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Et c'est moi qui offre le pot. Ouais. Je suis fier de toi. Ok. Ah. Ashley, j'aimerais aujourd'hui, oh ma Ashley, te dire combien je t'aime. Décédé. Alors que devient l'école? Marie, je ne sais pas. Déjà que l'école ne marchait pas, j'ai peur qu'elle soit fermée. Non, tu peux pas me dire ça. Tu sais pendant combien de temps j'ai attendu de faire partie de cette école de danse? Pour qu'un jour tu viens me dire ça? Attends, mais tu veux que je fasse quoi, Marie? C'est pas à moi de décider, ça tu le sais, non? Ok, à qui revient la décision? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je veux juste le savoir. Je ne peux pas te dire le nom de la personne qui risque de vendre l'école. D'accord, il y a sa fille.
qui s'appelle Gina, qui vit en France, mais qui est venue il n'y a pas longtemps. Il a aussi un fils qui s'appelle Momo, mais lui, il vit ici. Ce sera à eux de décider. Bonsoir, monsieur Fadoul. Bonsoir, cher ami. Alors? Alors, je crois que demain, nous aurons de très bonnes nouvelles. Bernard, tu crois? Je voudrais que tu comprennes quelque chose définitivement. Je ne suis ni chrétien, ni musulman. La seule chose dans laquelle je crois sur cette terre, c'est l'argent. D'accord. Mais pour notre affaire, il faut attendre juste demain. Demain, après le rendu du testament, on va voir clair, très clair dans la vente de cette école. Tu es sûr que le nouvel héritier n'aura pas le même comportement que le vieil entêté là? Non, parce que j'ai déjà commencé à préparer le terrain. Tu es sûr de ton coup cette fois-ci? Aussi sûr que la Côte d'Ivoire est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Ne t'inquiète pas. Si c'est pour les enfants là, ils ne vont pas tenir le coup. En plus, je suis le seul parent qui leur reste. Il ne peut pas faire autrement. Les vœux de votre défunt père sont les suivants. La maison reviendra à Moïse, l'école Mélodie à Gina. La voiture reviendra à l'oncle Bernard. Quant à la plantation, elle sera confiée à Moïse et Gina, mais sous le contrôle de leur oncle Bernard, parce qu'ils ont plus d'expérience en la matière. Telles étaient les dernières volontés de votre défunt père. Je vous remercie. Oui, bonjour, monsieur Némon, s'il vous plaît. Monsieur Némon, bonjour. J'ignorais que vous avez une secrétaire. Ok. Bref. Vous me préparez un virement de 2 millions pour demain. Oui, en euros, bien sûr. Ok, à demain. Bonjour. Bonjour. Puis-je m'entretenir avec vous, s'il vous plaît? Allô? Vous êtes là? Oui. Excusez-moi. Venez, s'il vous plaît. Merci. Ok. J'aurais voulu une vingtaine de danseurs pour le tournage de mon prochain clip vidéo. Et connaître aussi vos tarifs, s'il vous plaît. Allô? Vous êtes là? Oui, excusez-moi. En fait, je n'aurais jamais imaginé vous voir. Et pourtant? Bon. Les enfants, maintenant que nous sommes seuls, nous allons pouvoir enfin parler de l'héritage laissé par mon frère. Mais tout a déjà été dit. De quoi veux-tu qu'on parle encore? Aïe. Mais comment gère tout ça? Gina. Je ne sais pas si ton frère t'a parlé de la situation de l'école. Non, je ne lui ai rien dit. De quoi vous parlez? Quelle est la situation de Mélodie? La situation, c'est que ça ne va pas du tout. Ça ne marche pas. Alors, il faut la vendre. Tu prends une bonne partie de l'argent pour aller t'installer en France. Et l'autre partie me permettra d'organiser la plantation. Je ne suis pas d'accord. Papa tenait beaucoup à Mélodie. Et je pense que ce serait un mauvais choix. D'accord. Alors, nous allons vendre cette maison. Voilà un peu ce que vit notre école en ce moment. Je ne sais pas ce que sera notre sort. Ce serait bien dommage pour la culture africaine si votre école fermait. En revanche, c'est un grand honneur pour nos étudiants de participer au clip de votre dernier album. Oh mon Dieu! Mais je rêve! Non, bonjour Miss, comment vous allez? Attention Marie, à ne pas l'asphyxier s'il te plaît. Non, ça ira, j'ai l'habitude. Je peux prendre une photo avec vous? Avec plaisir. Merci. Bah, je me mets à la photo. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bah ouais.
Oh, mon pote, qu'est-ce que tu fais? Tu ne dois plus regarder ça. Tu as trouvé ton bonheur. Tu nous laisses la place maintenant. Ah oui, et pourquoi? Je ne fais que regarder sans mauvaises intentions. Oui, c'est ça. Tu sais quoi? Nous sommes des hommes de droit. Et un homme de droit, il doit se tenir droit. Wow! Vous êtes mes meilleurs clients. On renouvelle la commande? Aujourd'hui est un jour exceptionnel. Alors envoie tout ce que tu veux. On sera pas sous. Super! On y va alors! Beaucoup de bien, mais... Dans ce cas, confie la gestion à quelqu'un. À Lino, par exemple. Il aidait déjà papa à travailler. Pas question. Non. Ce n'est pas une bonne idée de confier la gestion de l'école à un étranger. Non. Bon, à qui on doit la confier alors? Il faut la vendre. Gina, toi tu vis en France. C'est normal. Tu prends une bonne partie de l'argent, tu vas t'installer. Momo, lui, est médecin. Il est tout le temps à la clinique, pas le temps. Moi, j'ai organisé la plantation. C'est pour m'occuper de l'avenir de vos futurs enfants. Comprenez-le. Et à combien penses-tu qu'on peut la vendre? Voilà. Disons 200 millions. C'est-à-dire 300 000 euros, Gina. 300 000 euros. Ce n'est pas mal comme proposition, Momo. Qu'est-ce que t'en penses? La dernière décision te revient. Félicitations à vous, très cher Bernard. Oh, monsieur Fadoum, c'est à vous les félicitations. Vous avez enfin votre terrain et moi, mon argent. Ah, l'argent, notre religion. Alors, quand est-ce qu'on signe les papiers? Quand vous êtes prêt. Hein? Parfait. Il va falloir que je me trouve un nouvel avocat. Je ne veux pas utiliser le même que j'utilise pour mes affaires habituelles. Au fait, ils sont au courant que je dois tout raser pour faire un supermarché? Oh, peu importe, monsieur Fadoul. Peu importe. Vous êtes entièrement libre de faire tout ce que vous voulez dès que vous êtes propriétaire. Tu conviens avec moi que les artistes... Oui, je vois. Mais nous sommes en Afrique. On s'en fout de la culture. On a faim. L'école n'a pas vraiment changé. Ça fait 8 ans que je ne suis pas venue ici. Le temps passe vite, hein. J'espère que tous les professeurs sont là parce que j'ai dit à Lino de les convoquer. Bah, si tu les as convoqués, je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas là. Vu que l'école ne marche pas depuis ces dernières années... Ah, on a donc bien fait de la vendre. Tu as fait. C'est ton héritage. Attends, tu me sembles être un peu... Oui, mais tu sais, papa tenait vraiment à cette école. Et le fait de la vendre aujourd'hui, franchement, ça... Attends, tu me casses là. Tu sais très bien que je ne peux pas. Écoute. Occupe-toi de l'école. Moi, je vais rentrer. Non, je ne t'en veux pas du tout de la vendre. Hein? Je suis avec toi. Ma petite sœur. Allez, nous attendons. This is a song that blows things up. Qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit, je reste le poing levé, pour le meilleur comme le pire, je suis métisse mais pas matisse, j'avance le cœur léger, mais toujours le poing levé, lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler de force, la vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi, malgré nos peines, nos différences et tous ces injures incessantes, moi je lèverai le poing encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur, mais
j'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles qui ont des visages, qui ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. Fille d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis, avec la force, le sourire, le poing levé vers l'avenir. Lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler de force. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi. Viser la lune, ça me fait pas peur. Bravo, sympa comme accueil. Maintenant, ma sœur et moi voulons vous parler. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il n'y a pas d'autre alternative que de vendre l'école à un inconnu. C'est grave. Qu'allons-nous devenir? Madame, vous êtes l'héritière de Mélodie, c'est vrai. Mais sachez que cette école, c'est le bien de tout le monde ici. Alors cela voudrait dire que désormais nos vies sont entre vos mains, Madame la nouvelle directrice? Désolé Momo pour les réactions, mais comprends qu'il vous parle avec le cœur. C'est vrai. Nous cherchons la solution. Que faire? Vraiment? Que faire? Non, mais je te dis, qu'est-ce que je te promets? Moi, je ne mange pas de ce pain, là. C'est juste pas possible. On va se laisser faire. Non, c'est rien. Franchement, attends. Calmez-vous, s'il vous plaît. Franchement, c'est pas possible. Non. Calmez-vous. C'est vrai que nous comprenons et partageons vos peines. Mais nous ne sommes pas venus ici pour négocier avec vous. On est juste venu vous informer qu'on ne peut plus assumer la gestion de l'école. Et c'est ça la triste réalité, c'est tout. Je suis là. Voici la liste des profs réguliers et celle-là, c'est la liste des étudiants à jour de leur scolarité. Ok, on va d'abord procéder au remboursement des étudiants et ensuite on va se pencher sur la question des salaires impayés des professeurs. Bon, il faudra penser aux indemnités. Vu que la vente a été brusque, personne ne doit être lésé. Si, si, j'ai déjà pensé. Ok, alors j'ai une doléance à faire. Il y a l'artiste Mewé qui est venu dans notre école et il souhaiterait que nos étudiants participent à son tout dernier clip. Alors j'aimerais savoir si c'est faisable. Et si c'est faisable, je pense que nos étudiants auront une référence. Ok. Passe à la maison ce soir pour qu'on en parle. Mais déjà, j'aimerais que tu complètes la liste des étudiants, de tous en tout cas qui sont dans cette école. Parce que je pense que tout le monde a droit à une indemnité. D'accord. Un contrat de cession immobilière, c'est ce qu'il vous faudra, Monsieur Fadoul. Est-ce que ce contrat prend en compte la propriété du terrain? Bien sûr que oui, Monsieur Fadoul. Alors j'aimerais que vous le rédigiez avant demain. Bah, on s'y met tout de suite. Vous aurez la proposition du contrat d'ici demain matin. Il nous faudra juste quelques informations sur l'immobilier que vous voulez acquérir. Je vous envoie le numéro de téléphone de ma secrétaire. Elle va vous donner tous les renseignements nécessaires. Très N'oubliez bien. Pas, plus vite vous le faites, plus vite vous avez votre chèque. Évidemment. Oh, s'il vous plaît, là. Qui êtes-vous et que faites-vous là? Enfin, je suis... Bon, j'étais l'assistant de M. Bidi. Sa fille m'a demandé de passer. Très bien. Heureusement que tu étais l'assistant. Maintenant, là, il faudrait songer à trouver un autre job. La culture, ça ne nourrit pas son homme en Afrique. Vous savez? Ah, dis donc, tu es là? Bonsoir, Tom. Ah, bonsoir. Entrez.
les silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Léno, est-ce que tu as apporté la liste que je t'ai demandée? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la liste de tous ceux qui travaillent à Mélodie. Mais pourquoi? On n'a pas besoin d'eux. Ils ont perdu leur emploi, leur rêve. Et nous avons décidé de les dédommager. Mais non, vous n'êtes pas obligés, non. De toute façon, l'argent qu'on aura demain fera l'affaire. Et concernant le clip de Mewé, on le fera, non? Ne t'inquiète pas, Lino. Les étudiants participeront à ce clip. Voilà. C'est ça, les artistes. Quand on leur donne la main, ils te prennent le coup. Mais quel clip? J'ai remis le contrat à Gina. C'était l'héritière. Donc, c'est à elle que revient le droit de signature. Ah bon? Monsieur Fadoul, ne vous faites pas de soucis. Demain, à l'école, elle signera le contrat devant vous. Mais tu seras là au moins? Ah ben, bien sûr, monsieur Fadoul, bien sûr. Ne vous en faites pas, je serai là. Pour rien au monde, je ne manquerai. Oh, pardon. Désolé. Veuillez m'excuser. C'est l'émotion. Je suis tellement heureux que notre affaire aboutisse. Pardonnez-moi. Ok, à demain alors. Ok. À demain. En fait, j'ai un petit bonus pour vous. Pas la peine de me remercier. Demain, vous le ferez. D'accord. À demain, donc. À demain. C'est un grand homme, votre père. Merci. Je profite de l'instant pour vous souhaiter mes sincères condoléances. Merci. Merci, monsieur Fadoul. Vous avez un grand cœur. C'est pas un hasard que vous devenez le nouveau propriétaire de ce bâtiment. J'en suis honoré. Je vous fais la promesse d'en prendre le plus grand soin. Mais si vous êtes bien habillé. Merci, monsieur. Bulldozer, j'ai pas commandé. Oh, ne t'inquiète pas, c'est la maison qui offre. Hmm? Tu ne te sens pas dans ton assiette, on dirait. Qu'est-ce qu'il y a? Bof, ça ira, t'en fais pas. Bonjour, monsieur. Bonjour, miss. Salut, Lino. Salut, Marie. Ok, je vous laisse. Je suis juste à côté pour une éventuelle commande. D'accord. Je n'aime pas te voir dans cet état. Selon toi, dans quel état devrais-je me trouver en ce moment? Des incultes sont en train de tout brader pour pouvoir tout détruire. Lino, attends, j'ai une idée. Tu as lu, c'est bon? Oui.
Le contrat est pareil à ce que tonton Bernard m'avait remis hier. Vous disiez quelque chose, Medina? Oui, votre stylo, s'il vous plaît. Bien sûr. Merci. La vie n'a pas été tendre avec moi. Vous ne pouvez pas imaginer la souffrance que j'ai vécue. Malgré les insultes, les injustices, j'ai toujours gardé foi en ma passion. Et c'est cette foi qui m'a permis d'être ce que vous savez. Voyez-vous, dans la vie, il ne faut rien lâcher. La vie est un perpétuel combat. Votre père a cru en vous et vous demande de continuer son œuvre. Vos étudiants ont besoin de vous. Nous, les artistes aussi, nous avons besoin de vous. La culture africaine a besoin de vous. Je suis désolée. Ça ira. Elle se prend pour qui, cette gamine? Un contrat qu'elle a eu le temps de lire, de relire, même de paraffer les deux premières pages. Et tout à coup, soudain, brusquement, madame change d'avis. Ah, bien, moi, même son nom, je suis dépassé. Je ne sais pas quelle folie furieuse a pris cette petite fille, je ne sais pas. Tu sais que c'est toi qui m'as mis dans cette galère. Tu sais? Tu sais? Tu m'avais même rassuré que tu avais préparé le terrain. Oui, mais je l'ai fait, Fadoul. Je l'ai fait. Mais je suis dépassé, je tombe dernier face à la... Face à la quoi? À la quoi? À la quoi? Je te promets que ta nièce aura de mes nouvelles. Je te le promets. Fadou, je suis avec toi. J'ai été avec toi. Je suis avec toi. On ira au bout de cette affaire. Je te suis. On ira jusqu'au bout. Et ce Mewé qui vient tout chambouler. Oui. Oui, c'est lui. Mewé. Zoblazo, Zoblazo. Et puis quoi encore? Il nous a zoblaé. Merci. 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 Grand merci à vous, madame. Vous avez fait le bon choix. Nous, les profs, serons toujours là pour vous soutenir. Surtout, monsieur, à toi aussi. Pas de rien. Merci. Merci infiniment à tous. Et je pense qu'avec le bon Dieu, nous ferons de grandes choses ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, je pense... Merci. Merci. Merci à toi aussi, grand frère. Parce que tu me soutiens dans toutes mes décisions. Merci infiniment. Non, mais c'est toi qui es la plus importante. À mes yeux, je n'ai que toi. Maman, papa, ils ne sont plus. Ce contrat n'a aucune valeur juridique. Comment? Même s'il a paraffé les deux premières pages? Malheureusement, oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? Notre contrat, il était pourtant sans ambiguïté. Ben écoutez, vous pouvez par exemple lui mettre la pression. Pour lui faire croire que ce qu'elle a paraffé l'engage. Et venant de vous, les avocats, ça devait marcher? Non. Ce ne sera pas une bonne procédure, ça. Alors, au point où nous en sommes, vous pouvez foutre la procédure aux chiottes. Nous sommes venus ici pour que vous trouviez une issue favorable. Il faut que ce contrat soit signé. J'ai besoin de ma propriété et vous, de votre chèque. C'est pas mal, c'est bien, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être précis sur les pas. Hein? La précision des pas compte énormément. Je crois qu'on a vu ça la dernière fois. Hein?
Ok, tout le monde à la barre. Ah, je suis trop contente. Je pourrais enfin passer mon audition. Ah non, tu ne fais pas d'audition, Marie. Pourquoi? Bah parce que t'es déjà retenue. Non, non. Merci beaucoup. Allez, donc okay. Tu te mets à la barre aussi avec nous? Allez. Bien. Allô? Ah, quelle agréable surprise. Comment allez-vous? Je tenais à vous dire merci de m'avoir ouvert les yeux. Aussi, j'ai été très honorée de votre présence dans notre école. Je vous en prie, c'est mon devoir d'éveiller les consciences. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté de vous battre pour la culture. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci. La cérémonie de dot a été une véritable réussite. Merci, ma chérie. Maintenant, c'est à ton tour. Et il faut que tu le fasses le plus tôt possible, comme ça tu auras le temps de te consacrer à ta carrière et à tes petites affaires nocturnes. Je ne veux pas t'énerver, mais je pense que tu dois arrêter tout ça pour te consacrer à ton foyer. Jamais. Tu sais, toute personne a une double vie. Et notre business, c'est mon second foyer. Maintenant que j'en ai terminé avec la cérémonie traditionnelle, je compte finaliser la cérémonie civile, histoire de me caser socialement. Comme ça, ça me laisse le temps de vaquer à mes occupations nocturnes. Les jeunes d'Afrique sont tous debout, rêvant plus haut. Qu'ils viennent du sud, de l'est, de l'ouest et même du nord, rêvant plus haut. C'est ensemble qu'on fera tomber les murs. DJ monte le son que tous entendent. Champions, ça bouillonne en nous, levons-nous et battons-nous pour la liberté de notre Africa. Yeah, yeah. En leader de demain, entends-tu ma voix? Rejoins-moi, fier africain, soyons ensemble, main dans la main, main dans la main. Aïe. Les jeunes d'Afrique sont tous.